Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter quelques livres, en fait, des livres que je lis souvent, des livres que j'aime beaucoup et des livres que je conseille à tout le monde, étant donné qu'on est vraiment en plein milieu du mois de l'histoire des Noirs. Et pour moi, je pense que le mois de l'histoire des Noirs n'est pas conçu pour les Noirs. Pourquoi je dis ça? Je pense que c'est un mois qu'ils ont créé, en fait, pour toutes les personnes qui ont des stéréotypes. Alors, vous avez la chance pendant un mois d'essayer de comprendre une autre culture, d'essayer de comprendre une autre mode de vie, disons. Une autre façon de voir les choses, d'essayer de comprendre les opinions qui diffèrent des vôtres. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter trois livres que je lis tout le temps. Trois livres que je peux lire et relire, trois livres qui m'ont marqué. Et donc c'est ça, restez branchés et je vais vous présenter les livres. Alors, je pense que c'est un devoir pour moi de commencer par Gouverneur de la Rosée de Jacques Romain, parce que c'est mon livre préféré, c'est un classique de la littérature haïtienne, c'est un livre que je conseille en fait à tout le monde et pas seulement aux Haïtiens. Donc je vais vous faire un petit résumé du livre. Le livre, en fait, c'est l'histoire de Manuel qui arrive dans son village natal après avoir passé 20 ans à l'extérieur. Il arrive dans son village et le village est divisé parce qu'il y a une sécheresse. Divisé, mais il y a toujours des prises de bec, les voisins ne sont plus amis, tout le monde, les gens ont tous une bonne raison de ne pas parler avec telle personne, de ne pas parler avec telle famille. Il y a une grosse division dans le village. Et par rapport à la sécheresse, Manuel, lui, il se donne le devoir de trouver l'eau. Là, il dit, moi, j'arrive, je vais trouver l'eau dans mon village, je vais mettre l'eau, on va travailler ensemble, on va retrouver l'eau. Et Manuel, lui, il commence à fouiller. Il fouille. Et je ne lui donnerai pas plus de nouvelles, mais à la fin de l'histoire, Manuel, il se fait poignarder. C'est tout. Je n'ai absolument rien révélé. Pourquoi pour moi c'est un classique de la littérature haïtienne? C'est parce que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de réconciliation, c'est une histoire de pardon, c'est une histoire de montrer que quand on veut bien faire, il y aura toujours des jaloux et c'est une histoire aussi de l'union fait la force, qui je pense que c'est l'histoire typique d'Haïti. C'est l'histoire typique des Haïtiens. Pour moi, c'est un très grand classique et c'est un livre que je relis tout le temps. Pour moi, j'appelle ça notre histoire d'amour à nous parce que Manuel, effectivement, il va tomber en amour avec une fille du village. Et pourquoi c'est un classique aussi? C'est parce que ce livre-là a été adapté au cinéma et je pense que les premières tentations cinématographiques haïtiennes se sont faites avec les lignes de Jacques Romain. Donc, c'est pour ça. Aussi simple que ça. C'est une histoire. Je pense que n'importe qui lit ce livre pourra tomber en amour avec Manuel, pourra tomber en amour avec la plume de Jacques Romain et pourra tomber littéralement en amour avec la littérature haïtienne. Donc, c'est ça. Alors, c'était Gouverneur de la Rosée et l'auteur, c'est Jacques Romain. Et je continue avec Les Veilleurs de Saint-Gomard de Fatou Diome. Alors, Fatou, c'est vraiment la star de ma chaîne, en fait. Elle a été la star de ma chaîne en 2021. J'ai beaucoup parlé d'elle et je continuerai de parler d'elle parce qu'elle est juste géniale. Les Veilleurs de Saint-Gomard est basée d'une histoire vraie, en fait. Et c'est l'histoire d'un naufrage qui a eu lieu, un bateau qui était conçu pour 500 personnes. Puis je pense que dans ce bateau-là, il y avait plus de 2000 personnes. C'est un bateau qui est en train de quitter une île au Sénégal, si ma mémoire est bonne. Et en fait, Fatou, qu'est-ce qu'elle a voulu faire en écrivant le livre? C'est qu'elle a voulu montrer comme quoi que des fois, on est tellement habitué à voir les Noirs souffrir que maintenant, on dirait que c'est normal. Et elle dit que les gens n'ont pas parlé du naufrage, les gens s'en foutaient littéralement, ça n'a pas suscité les mêmes émotions, en fait, ça n'a pas suscité l'intérêt des autres parce que c'était des Noirs, c'était des Africains et les gens s'en foutaient. Et c'est pas mal tout. C'est un roman qui est quand même assez difficile à lire, mais j'aime beaucoup Fatou, j'aime beaucoup sa plume est légère, puis je pense qu'elle est, même quand elle parle des sujets qui sont vraiment difficiles à avaler, elle a une façon de l'écrire
qui fait en sorte qu'on trouve quand même que la lecture passe bien, c'est fluide, en fait, c'est ce que j'essaie de dire. Elle est très fluide dans sa façon d'écrire des choses, même des choses difficiles. Et j'en suis à ma deuxième lecture, comme vous pouvez voir. Et c'est un livre qui a suscité beaucoup d'émotions chez moi. C'est un livre que j'ai adoré. C'est un livre qui m'a fait réfléchir. Et donc, c'est ça. Alors, le livre, c'était L'éveilleur de Saint-Gomard, Fatou Diome. Si vous ne la connaissez pas, Fatou, essayez de faire des recherches sur cette autrice. Elle est géniale. Elle est juste géniale. Je l'adore. Et le dernier, je pense que ma liste ne serait pas complète sans ce livre. Et ce le dernier livre, c'est Dans la peau de noir de J.H. Griffin. J'espère que je n'ai pas maltraité son nom. Puis ça aussi, c'est un livre que je lis souvent parce que c'est l'histoire de journalistes blancs que tout le monde parle. On est vraiment dans la ségrégation, en plus en Louisiane et tout, en plein dans la ségrégation. En Louisiane, puis le gars il débarque, pour lui le racisme n'existe pas. Les gens, les Américains ne sont pas racistes, les Blancs adorent les Noirs. Et il entendait tellement de Noirs se plaindre, il a décidé de prendre des shots de mélanine pour devenir Noir, pour devenir foncé de peau et pour vivre l'expérience de Noir, pour essayer de comprendre. Et il va passer à travers de tellement de difficultés. Là, il va essayer de comprendre, il va comprendre c'est quoi le racisme et il va commencer à expliquer son expérience en tant qu'homme noir et comment qu'il a souffert en tant qu'homme noir, mais en tant que blanc devenu noir et comment, dès qu'il est devenu noir, c'est comme s'il était devenu un citoyen de seconde zone. Les gens ne le regardaient plus de la même façon, les gens ne lui parlaient plus de la même façon. Bref, c'est comme si, en fait, il ne valait rien. Donc, ça, c'est pour moi, c'est un classique. C'est un livre que je conseille à tout le monde. C'est un livre qui m'a marqué parce que dans ma tête, je me disais, ben, pourquoi tu étais obligée de prendre des shots de mélanine pour comprendre ce que vivent les Noirs? Mais il a expliqué dans le livre, c'est parce qu'il ne pouvait pas le comprendre, en fait. Il ne pouvait pas le comprendre parce que si moi, en tant que femme noire, je dis à quelqu'un, moi, je souffre en tant que femme noire, si tu n'es pas femme, tu n'es pas noire, comment tu ne peux pas comprendre ma douleur, tu ne comprendras jamais ce que je vis parce que mon expérience avec la société n'est pas ton expérience. Et donc, c'est ce qu'il explique en fait. C'est pour ça qu'il a voulu prendre des shots de mélanine pour comprendre, pour mieux voir, pour voir la société américaine telle qu'elle est et pour être capable de pouvoir donner des réponses quand les gens lui diront, ben moi, tu vois, moi, je n'ai pas les mêmes expériences pour qu'il puisse donner des arguments. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé de prendre des shots de mélanine. Donc, c'est pas mal tout. Pas mal tout pour moi. C'est un livre que j'ai adoré. Comme je vous l'ai dit, les trois livres que j'ai présentés font partie de ma bibliothèque depuis très longtemps et ils sont là pour rester. Ce sont ceux que je garderai à vie. Et donc, c'est ça. Alors, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez d'autres livres à me suggérer, n'hésitez pas. Donc, c'est pas mal tout. Alors, je vous dis bye!